Hello les potes, c'est Dofusium, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, au programme du lourd, de l'investissement Kama, mon record en Kama sur Dofus Retro Temporis. Vous allez voir également du gros donjon, un combat avec 5 colères de Yop, un donjon au gars mémorable. Alors est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu, je vous laisserai découvrir ça dans la vidéo, mais ça a été des barres de rire dans ce donjon. J'étais en live quand on l'a fait, on était quasiment 150 et ça a été très bizarre, vous verrez ça. Bref, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Vous aurez également les nouveaux Dofus arrivés, les nouvelles salles de la tour des défis, beaucoup de choses au programme aujourd'hui. On est parti. Ok les amis, ça passe pour la salle suivante. Je crois que c'est la salle 31 ou 30, je sais plus. On est à 29, moins 29. Il y en a 3 qui sont débloqués, on va essayer de les faire. Là, il est déjà 3h du mat. Mais ça vient de se débloquer, donc on essaie d'accélérer. C'est insane. Et du coup... la fin du combat les gars, elle est là, c'est parfait, on est full HP et tout, le combat était plutôt simple pour le coup, c'est nickel, on va voir sur le coffre ce qu'on obtient, on a eu 50 bourses de 10 000 Kama, et bien, on prend, hop, ça nous fait 500 000, parfait, on continue, c'est nickel, et les gars, on arrive à la salle du tutu du coup, si on gagne le Pekigaru, on aura le tutu à la fin de ce combat. Et du coup, le 1 sur 2 sur ma baguette ouf. Allez les gars, c'est fait du coup. Le Pekigaru qui va tomber sous les coups de notre Xel. Et c'est parfait du coup les gars. Yes! Le tutu qui vient au bercail. On va être 1 sur 2 les gars, c'est parfait. On va voir le coffre ensemble, comme ça on va voir combien on obtient. Normalement c'est de la merde. C'est un sort ou un truc comme ça. Oh! Un M. On a un M. What the fuck. Oh là là les gars. On s'est mis très bien. Je crois qu'on va l'acheter des runes PA direct. Bon les gars, direct, on achète. On achète des runes PA, je vous dis. Ça va forcément up. Hop, impeccable. Nickel. J'en avais acheté 18 juste avant aussi. Je demande qu'il y en a encore. Un M du coffre. Merde. Ouais, nickel les gars. Je vais même en acheter encore pour le coup. Je vais même en acheter encore. Voilà, on va se mettre comme ça. Je vous conseille les gars de faire pareil. Vu le nombre de Kama qu'on a dans les coffres, ça ne m'étonnerait pas qu'on tape des 10M dans quelques salles. Je suis au sérieux quand je dis 10M. Hop, ça fait que j'ai combien de runes PA? J'ai 279 runes de PA. On va continuer d'en stacker. Honnêtement, je vous conseille de faire pareil les gars, mais après, je peux me tromper, comme d'habitude. Mais ouais, je le fais. Hein. Je le fais. Du coup, forcément, on achète aussi notre petit Dofus turquoise. C'est nickel. Ça nous met ça au stuff en plus. On va l'ajouter ici. En faisant ça, du coup, impeccable, enregistré. Non, du coup, non, c'est pas ça. À chaque fois, je me gourre, tac, tac, comme ça, enregistré, oui. Et donc, normalement, ça devrait être bon, impeccable. Parfait, les gars. Petite précision, du coup, je suis 1 sur 2 dans quasi tous mes sorts, notamment mon CAC, et après 1 sur 27 à l'AM pour l'instant. Je suis ému donc je peux y aller, je reviens prochain tour avec une couverture. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Il me faudrait un PA. Ouais, je couverture le chat tour d'après. Ah, je baroude et de toute façon je suis ému. Hein. Ouais, j'ai vu Forek. Merci frérot. J'ai vu que tu m'as mis les PM. Ce que ça donne les gars, 7 coco. On va voir ce que ça donne. Ok, je vais baroud. Allez, grosse coco. Oh oui, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Je prends le chat de qui? Oh, ok. MDR.
Je suis mort des poisons. Oh putain, c'est fait one shot. Aïe, bon, on est dead. On s'est fait péter le cul. Ok, le retour de Ti. Il y a un monde où je reviens dans la map aussi. Hein. Ah, il a pas AP. Ah, il me reçut à moi. Attends, là, je vais faire le move. Je vais te mettre un chat. C'est pas chargé. Okay. Oh putain, je sais pas. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas si elle est chargée. Oh, je sais pas si elle est chargée. Oh, je sais pas si elle est chargée la coco. Vas-y, on donne tout, tant pis. J'ai oublié un détail. S'il tape mon chat, il est dead. Toi, je vais mettre demain, je suis immune, moi. Allez, les gars, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à croire à l'âme des cartes. Bon. En effet. Je suis ému. Ah non, je suis plus ému. Non, je suis plus ému. On va aller là. Ok. Ok. Allez, parfait. Allez, les gars, c'est parti. Non, non, je fais pas deux fois parce que je baroude. Hein. Les gars, je baroude ou je fais deux fois coco? Est-ce que je fais deux fois coco ou je baroude? Baroude. Allez, on joue beau jeu. On joue beau jeu, les gars. Allez, est-ce qu'on le sait? Ok, non, pas loin. Allez, c'est gagné, les gars. Eh ben putain. Il n'y a pas d'Ougarto, je crois. Ah hein. Oh, putain. Quel combat. Quel combat. Bon, on a quand même droppé pas mal d'items, les gars. On a droppé pas mal d'items. Mais on n'a pas eu d'items, Ouga. Bon, on a la pierre de capture. On a la capture, c'est déjà pas mal. Bon les gars, je vais continuer à jouer ce soir, mais je viens de faire la quête du coup quand on incarne Annabeth. Et mon perso est bloqué. J'ai fini le combat et l'animation s'est pas lancée. Je suis juste bloqué ici. Donc je vais contacter un Kama pour voir s'ils peuvent me débloquer. Mais à mon avis là c'est 3h du matin, ils pourront pas maintenant. Donc on verra demain. Donc je vais couper là et je vous tiens au courant demain quand je reprends. Les amis, on est le lendemain matin, c'est bon, ça vient des bugs, donc j'ai refait le combat, mais la quête est bug, en fait, on peut pas la valider. Donc ça varie, on va découvrir du coup si on a vendu des trucs ou pas cette nuit. Oh, what the fuck. Ok, 2 millions, ça marche, nice. Bon, mais parfait, sachant que les gars, on a 2 millions, mais on a on taquait de runes PA. Je vais aller voir tout de suite si les runes PA ont augmenté ou pas cette nuit. Si elles ont pas augmenté, je vais en racheter directement un lot de 100, hop. Elles sont à combien? Ah ouais, vous avez vu, elles ont bien augmenté. On a bien fait de les acheter hier soir, les gars. On a bien fait de les acheter hier soir. Et bien écoutez, on va continuer tout simplement à en chercher. En espérant du coup en trouver pas trop cher. Mais pour l'instant, c'est vrai que
Les prix augmentent comme on pensait. Hein. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait aussi rire tout ce combat un petit peu Ouga très bizarre. Au final, on s'en est plutôt bien sorti, même si ça a été assez laborieux. On verra comment se passe la capture globalement. Mais c'est vrai que c'était assez chaud et très marrant. Si jamais vous voulez vivre ce genre de moment live, n'hésitez pas d'ailleurs à... Vous avez le lien de ma chaîne Twitch juste en bas de la description. On a un live quasiment tous les soirs vers 22h30, 23h. Et on a fini par exemple à 3h30 du mat hier. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent voir tout le donjon ou tout le combat même sur le Ouga, dites-le moi, je peux vous le mettre sur la chaîne secondaire. S'il y a une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes qui veulent voir ça les gars, ben, je peux le mettre sur la chaîne secondaire, dites-le moi. Mais pour l'instant je ne l'ai pas mis vu qu'il y a 1h45, 1h50 de vidéo, je ne les ai pas mis pour l'instant. Mais si ça intéresse des gens, je pourrais le mettre sans aucun problème. En tout cas merci d'être toujours aussi nombreux à suivre cette aventure sur Dofus Retro Temporé. J'espère qu'elle vous plaît et que vous régalez vous aussi de votre côté. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça soutient énormément. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo comme d'habitude, ça fait remonter le référencement. Donc merci à ceux qui prennent les quelques secondes à chaque fois pour le faire. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Dofusium,